Avec Thierry, son père, qui nous présente ce numéro 14. Le numéro 14, donc, une fille de Saddlemaker et Iggy par Cardevin. Cardevin, ça ne rajeunit pas. C'est vrai que la mère est née en 96. Iggy. Alors, c'est une souche différente de celle qu'on connaît d'habitude de chez Thierry Cypress, celle d'ailleurs du numéro 6 qui a remporté tout à l'heure sa première section. Là, c'est la souche paternelle, celle de Ucelo 2, le crack. Le phénomène, Ucelo 2 et beaucoup de grands vainqueurs dans cette souche. Tivoli notamment, qui comme Ucelo 2 était un fils de Cardevin. Donc là, on a évidemment remis Cardevin pour trouver Idi. Donc Idi, la mère, est une propre sœur de Ucelo 2 et Tivoli. Et Idi est une poulinière, est extrêmement confirmée. Regardez sous cette première mère, la production vous trouvez. Ça peut marcher peut-être. Regardez la production de Idi, c'est quand même assez extraordinaire. Elle a fait Kikodi, un fils de Don Alco qui compte 8 victoires. Alors Kikodi, c'est du patois local, hein, c'est du patois molvandio. Kikodi, ça veut dire qu'est-ce qu'il dit. Et Udi, une fille de Voix du Nord, qui elle a remporté 4 courses en plat et 3 courses en obstacle, dont le prix très important, prix du Cher à Enghien, épreuve dotée du label Liston. Et puis plus près de nous encore, on retrouve une petite fille de Idi qui s'appelle Bise de Mer, une vendangeur, qui a remporté le prix Spumat à Enghien. Voilà donc une souche historique. On retrouve aussi Vanilla Crush, etc. Et puis une souche vivante, comme vous pouvez le constater dans le catalogue.